Hello les copains! Hello les copines! Comment allez-vous avec ce temps pourri? En tous les cas, chez nous, temps pourri. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Bon, il faut de l'eau, hein. C'est bien. Il nous faut de l'eau. Néanmoins, pour aller faire la prospection, être dehors tout le temps, non merci, j'avais pas envie encore aujourd'hui. Donc hier, j'étais occupée toute la journée, j'en ai fait un peu lundi. Mais bon, ça suffit pas, hein. Faut que j'en fasse, j'en fasse, j'en fasse, j'en fasse, toujours j'en fasse. Donc voilà, donc aujourd'hui, temps pourri, donc administratif, bricolage, vidéo YouTube. Voilà. Bon, en tout cas, je voulais venir vous voir aujourd'hui pour une petite présentation de produits. Alors principalement, évidemment, vous vous en doutez, des produits de loisirs créatifs. Je n'ai pas fait donc d'achat sur Internet. Non, 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 non. Je suis passée sur Sainte lundi, donc dans la ville de Sainte, dans le 17, pour le boulot. Voilà. Et donc, du coup, j'en ai profité pour aller vite fait faire un tour chez Action. Donc, je vais vous montrer mes petits achats et puis on va faire un petit test. Oh tiens, là j'ai des pinceaux qui sont restés dans l'eau. C'est pas trop bon ça. Faut que je les enlève. Je vous montre dans un premier temps. Oh là, ils vont être tout abîmés. Je vous montre dans un premier temps donc les petits achats que j'ai faits. Et puis après, on fait un petit test. Allez. Alors, on commence par quoi? On va commencer par les trois achats que j'ai faits pour mon association. Enfin, pour mon association. Pour l'association que je préside. Mais voilà, ce n'est pas mon association, c'est notre association de scrap, hein, évidemment. Alors, du coup, j'ai acheté pour l'asso donc la planche magnétique stenciling. Tôle. Donc en fait une planche magnétique pour bricoler, hein, voilà. Donc vous connaissez celle que moi je vends par le biais donc de Keepers, que je vends par le biais de chez Keepers qui fait je crois une vingtaine d'euros à peu près. Là celle-ci on est chez Action à 3,99 €. La référence, tiens, je vais vous la donner, 30 07 663. On ne sait jamais si quelqu'un la cherche. Donc là, on est sur, est-ce qu'il le note? On est sur un produit, non, il ne le note pas. Alors, peut-être à l'intérieur. Déballage donc en direct. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que on dirait de la tôle. Enfin, si vous entendez. On dirait de la tôle. Donc, ce n'est pas forcément un matériau que je vais préférer. Enfin, bien aimer. Je ne sais pas comment on peut dire. Ce n'est pas le matériau que je vais préférer. Mais pour 3,99 €, bah, je pense que ça va faire son affaire. Donc, il y a une tôle. Donc avec de la peinture dessus pour faire donc les centimètres, hein, je pense que ce sont, bah regardez, je pense que ce sont, hop là, les trucs, ouais c'est ça, ce sont des centimètres. Alors est-ce que c'est à peu près, il y a un petit décalage dans les centimètres, alors bon, hein, ouais. Quand on est arrivé à 20 et quelques centimètres, on est un petit peu moins bien. Hein, donc, il y a un petit décalage au niveau des centimètres. Ça va jusqu'à 29 centimètres. D'accord? Donc, les petits traits là que vous voyez, là, blancs, les plus épais, ce sont les centimètres. Et là, les petits plus fins, c'est les demi-centimètres. Donc, j'ai dit 29 sur 21. 29, 21, 29, 7. 21, 29, 7, ça fait pratiquement 1 à 4. À peu près. Vous avez donc une règle magnétique, donc qui est en magnétique. Et elle est en magnétique. Pareil, graduée avec des centimètres et puis des inches, hein, je pense, derrière. Enfin, de l'autre côté. Ouais, je pense. Bon, ça, par contre, c'est bien, hein.
Parce que voilà, regardez, hop, c'est pratique. Quatre aimants. Voilà, bon, ma foi, ça tient bien, hein. Bon, après, il faudrait voir avec plusieurs papiers, mais déjà un papier, parce que c'est celui, et ça, c'est le papier qu'il y a. Déjà, ça tient bien. Bon, déjà, c'est pas mal, hein, comme produit, hein. On est à, n'oublions pas, à 4 euros, hein. Alors, voyons voir, on va déballer. Alors, donc ça, c'est la photo donc du produit. Effectivement, vous pouvez aisément travailler avec vos pochoirs. C'est vrai que c'est quelque chose qui est super bien pour travailler avec ces pochoirs. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent là-dessus? Accessoires magnétiques A4 pour pochoirs. Donc, vous voyez, A4, on est pratiquement au A4. Cet accessoire magnétique facilite considérablement l'utilisation de pochoirs sur vos supports. On est bien d'accord. Étape 1, placez le support souhaité papier. Bon, on va pas, je ne vais pas vous décrire les étapes, hein, il y en a 5. Je pense que vous serez tout à fait apte pour vous servir de ça, sans regarder les étapes. Mais bon. Lorsque vous utilisez plusieurs pochoirs, assurez-vous que le support ne se déplace pas. Donc effectivement, plusieurs pochoirs l'un sur l'autre, à mon avis, ça doit être un petit peu épais. Et de ce fait, ça doit moins bien fonctionner. Ce qui est logique, hein, attendez, voilà. Hein, on est sur. Voilà. Bon, eh bien écoutez, moi je dis check, hein, tout à fait correct. Hein, sincèrement, perso, donc si je, comment dire, si c'était pour moi, si j'avais pas le choix, je le prendrais. Si c'était pour moi avec le choix, je le prendrais pas. Je reprendrais celui que j'ai donc que j'ai acheté chez Keepers, hein. Mais pour l'assaut, pour l'utilisation qu'on va en faire, sincèrement, moi je dis check, hein, il n'y a pas de souci, on est vraiment sur un produit qui est largement correct pour l'utilisation qu'on va en faire. Alors, on va l'essayer ce soir parce que ce soir il y a assaut. Donc je pense qu'on va l'essayer ce soir, puis en fonction, bah, si il faut en prendre une, peut-être parce que peut-être qu'une machine, une planche, ça sera peut-être pas suffisant, mais bon, s'il faut en prendre une autre, et ben on en prendra une autre. Donc ça, c'était pour l'assaut. Et donc j'ai dit 3,99 €. Hein. Et puis après, pour l'assaut, j'ai pris donc deux blocs de papier. Alors, celui-ci, le premier s'appelle It's Time for a Fresh Start. Donc on est, alors je l'ai pris parce que on est sur des teintes relativement printanières. Donc là c'est un petit orange avec des feuilles. Là c'est un truc avec une espèce de petit truc de potager, des feuilles de l'autre côté. Là, c'est du vert foncé avec des petits feuillages verts un peu plus clairs. Celui-ci, ce sont comment dire, des grandes bandes de couleurs. Et puis après, il y a des petits traits blancs où on peut donc facilement couper. Donc, du coup, si on coupe, ça fait une, deux, trois, ça fait quatre petites cartoons. Voilà, des petites cartoons comme ça. Et puis sinon, on peut s'en servir en bande. Donc les bandes comme ça, la verte foncée, la vert un peu plus clair, la vert encore un peu plus clair, blanc, rose et orange. Mais on peut aussi s'en servir en bande horizontale. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Alors ensuite, on continue. Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien ces petits motifs. C'est très frais. C'est voilà. Et puis à l'assaut, comment vous dire qu'on n'avait plus beaucoup de papier sympa? La semaine dernière, j'ai cherché des papiers pour faire un album et bon, j'ai pas trouvé grand-chose. On n'a plus grand-chose. Regardez, sympatoche ça. Alors par contre, il est. Ah ouais, il est dans l'autre sens. Je suis obligée de le tourner pour le voir à l'endroit. Ils ont dû se planter. Ils ont dû se planter de sens. Donc là, il y a des petits mots. Happy birthday to you, today is your day, party time, go for it girl, you can do this, happy birthday to you, je l'ai déjà dit, ils le mettent plusieurs fois, il y a dream, beautiful, best friend forever, voilà, donc on est sur des petites cartes,
trop mimi. Donc là, pour s'en servir, pareil, on peut tout à fait découper des petites cartes comme ça, ou prendre un morceau plus grand, ou je sais pas, on peut vraiment s'en servir de façon différente. Je pense que on peut vraiment, voilà. Ah, regardez, toute une planche de petits mots. Des petits mots, des petits mots doux. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme petits mots doux? Time for food, enjoy your gift, palm trees, new bikini. Ah oui, je suis un peu dans l'ombre. Fit girl, wanna run away. Et Wana, Wazna, je sais pas ce que ça veut dire. Daydreamer, picnic time, ouais, picnic time, j'adore. XO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 , memories, break a leg, joie de vivre, bah, il y a des trucs en français. Bah, c'est la première fois que je vois des trucs en français. Alors attendez, il y a quoi en français? On va regarder de plus près. Alors, il y a quoi en français? Il doit pas y en avoir beaucoup quand même, hein. Alors, donc j'ai vu tout à l'heure Joie de vivre, La vie est belle. Donc il y en a deux, hein. Joie de vivre et La vie est belle. Bon, ben, il y a que ça en français. Ben, c'est bizarre qu'ils aient mis deux trucs en français. C'est quand même bizarre. Moi, je trouve ça un peu trop peu ou pas assez. C'est pareil, non? Trop peu ou pas assez? Oh, c'est un peu bête, enfin pas bête, non, sois pas catégorique. C'est pas que c'est bête, mais c'est un peu petit quoi, enfin deux mots en français sur tout ça, enfin pourquoi? Et puis la vie est belle, good life, enfin, c'est bien en anglais aussi quoi du coup, quand on est tout en anglais. Bon enfin, on continue. Allez, j'aime beaucoup ces papiers. Ils sont vraiment sympas. Regardez, 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 regardez donc les papiers. Ils sont bien. Ah, peut-être comme ça on verra mieux. Coucou, 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 coucou. Oh, ça j'aime un peu moins ça, parce que c'est pas facile pour travailler ça. Ça ouais, ça j'aime bien. Bon bah ma foi, oh, c'est mignon, j'aime bien. Regardez. 1,99 €. Puis après, ben, on reprend tous les mêmes papiers. Voilà. C'est en double, hein, on le sait. Hein. Donc, papier recto verso, hein, les imprimés. Donc, 24 feuilles, 250 grammes et 2 fois 24 designs. Donc, il y a 48, 48 24 feuilles. Donc, soit 48 imprimés recto verso, quoi. Hein, en recto verso, ça fait 48. Je vais y arriver, oui. Alors, le deuxième. Celui-ci, je me le suis déjà prise personnellement, donc je l'ai peut-être déjà présenté ici. Mais il y a déjà quelques temps, je ne m'en rappelle plus, donc je vous le remontre, vu qu'en plus, il est pour l'asso. Donc pareil, on est sur 1,99 €, on est sur 24 feuilles, avec soit 2 fois 24 designs, toujours en 250 grammes, ouais, c'est toujours pareil. Et là, on est sur Let's Get Cozy. Et là, on est sur des teintes marron. Alors c'est vrai que c'est pas forcément la couleur que j'affectionne le plus en temps normal, mais ça change. J'aime bien. J'ai envie de m'en inspirer. De m'en inspirer. J'ai envie de m'en inspirer. Ah, je vais y arriver, oui. J'ai envie de m'en inspirer un peu pour faire un art journal, tiens. Ça peut être sympa. Regardez celui-là. Regardez celui-là. Les mimi. C'est rigolo, c'est différent. C'est différent. Et là, pareil, on reprend un peu le principe de l'autre de tout à l'heure avec des petites cartoons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de marqué là-dessus? A special surprise just for you. I think you are so amazing. Today is the day. It's time to party. Beauty, don't be like the rest of them, darling. I'm so very proud of you. Avec mon accent de zéro. A few of my
My fa fait faux things. Je sais pas ce qu'il y a avant. FA quelque chose. Fave. Non, c'est pas fave, mais je sais pas ce que c'est. Enfin bref, donc on s'en fout. On rayera. Je rayerai, moi, puis je mets trop de choses à la place. Girls, 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 girls. Lovely. Voilà. Bon, bah bref. Ouais, pas mal. C'est mignon. Alors après, bon, ça c'est un peu marron, marron, marron. Avec des traits. Après, hein, on peut pas tout kiffer, hein. C'est pas possible, hein. Marron foncé, marron clair. Ah ouais, au fait. Ah, celui-là est sympa. Il y a des gâteaux au chocolat. C'est qui sont? Je les ai vus. Ouais, maman, des gâteaux au chocolat. Il y a marqué quoi là-dessus? Coffee. Travel. Ah, oh, yes, travel. Oh, j'ai envie de travel, moi aussi, de voyager. Là, ce sont des brownies. Des petits brownies. Live with intention. Coffee is my happy place. Yes. It's time to party. Non, yes, c'est sympa. C'est sympa. Ah ouais, regardez celui-là. Cette page, elle est pas mal aussi. Elle est assez neutre, mais j'aime bien. Ouais, ça, j'adore. Ça. Comme des arcs-en-ciel. J'adore. Bah, toujours les mots. Ah, il n'a pas aimé. Ah, voilà. Ah, ça faisait bizarre. Il a eu du mal à faire le focus. Ah, ça fait bizarre. Ou alors, c'est les coloris qui font ça. Joie de vivre et la vie est belle. Au même endroit, parce que je les ai trouvés au même endroit, en bas, là, à droite. Au même endroit que celui de tout à l'heure. Alors, attendez. Je vais regarder si c'est exactement les mêmes mots. Parce qu'on est au même endroit, déjà. Alors, la vie est belle. Au-dessus, il y a good luck. Because you're special. Joie de vivre. Break a leg. So grateful. You can. Perfect, imperfect. Donc, yes, ce sont exactement les mêmes mots. Sauf que ce n'est pas la même police d'écriture. Allez, regardez. Regardez, regardez. Pas du tout la même police d'écriture. Donc là, on est sur de la police bâton, un peu, avec un peu de comment? Un peu de. Ah, comment on dit? Ah, comment on dit? Ah, je me suis fait mal. Me blesse toute seule, je sais plus l'écriture. Bref, voilà. Alors après, ça, j'aime beaucoup. Pareil, c'est assez graphique. Je sais pas si le truc il va bien le voir. On dirait des troncs d'arbres. Et puis, regardez. Hop. Trop sympa. Bon ben, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Les papiers sont. Bon, après, il y a un grand trou. Oh. Ça, c'est un petit peu plus particulier. Puis il y a marqué coffee en gros. Et puis après. On ne sait pas trop quoi faire de ça, hein, c'est pas évident. Mais bon, allez, j'espère que les filles de l'assaut vous allez aimer. Hein, si vous êtes là, je vous dis vous allez aimer. Si elles sont pas là, je veux dire, j'espère qu'elles vont aimer. On verra bien ce soir, hein, puisque je les amène ce soir à l'assaut. Allez, on continue dans les produits que j'ai pris, donc pour moi perso. Le petit sachet de produits, comment on appelle ça, les make-up. Ah, voilà ma fille. Les make-up, donc il y en a 10 dedans, donc en petits sachets. Donc ça, ce sont des make-up pour se démaquiller, hein, tout simplement. Hein. On est sur un prix de 1,99€, il y en a 10. Donc ça, c'est pour une copse, hein, qui ne les avait pas trouvés. Donc je savais qu'elle les voulait, donc voilà. Je lui ai pris, donc 1,90€. Donc je te l'ai défait, j'ai mis le ticket dedans, bah, voilà, donc je refais un petit nœud par-dessus. Pour pas m'en servir, je sais que c'est à toi. Alors, j'ai trouvé des phototapes double-sided, donc 250. Ah oui, c'est fermé, chérie, faut que tu ailles là-bas. C'est fermé. Je suis désolée. J'aurais pu prévoir d'ouvrir à ma fille la baie vitrée. Donc là, ce sont des petits autocollants, a priori donc recto verso. C'est la première fois que je les vois. Hein. Bah, j'espère qu'ils sont bien. Alors, je vous les ouvre. Alors, tac. Ah, j'ai un petit peu d'effet. Alors, attendez. Ah, je fais tout tomber. Ah, évidemment, je fais tout tomber comme d'hab. Voilà. Ah, pop, 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 pop. Ah oui, puis en plus, ça sortait là. Il y a un petit trou. Oh, non, mais je suis nulle. Bon, alors, attendez.
Alors, c'est en rond comme ça. Hein. Il y a plein donc de petits autocollants. Alors, attendez, hop, je suis en train de le remettre. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez là, je suis en train de le remettre. J'ai tout. J'ai tout. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, attendez, hop. Donc, en fait, c'est quand même bien fait ce truc. C'est dans une boîte comme ça. C'est hop. Voilà. Donc, à chaque fois, il y a des petits autocollants qui sont assez grands, rectangulaires et qui font 1 cm 2 à peu près de large sur 1 cm 7 à peu près de long et qui sont dans la boîte comme ça et qui sortent par le dessous. Alors, j'ai ouvert comme une nounouille, moi. Je savais pas que c'était comme ça et qui sortent par le dessous. Vous voyez, c'est bien fait. Et donc, on peut les sortir un par un ensuite. Donc, voilà. Et puis, on peut s'en servir. Donc, comme... Ah non, là, faut pas que ça... Ah, attendez, c'est mal... Ah ouais, mais là, si ça peut pas... Ça peut... ça passe pas là. À mon avis, là, c'est trop court, là. Faut bidouiller un truc. Bon, enfin, bref, je le ferai. Ça, ça coûte combien? Ça coûte... Eh, 39 centimes. Il y a 250 petits autocollants. Donc, au pire, moi, ce que je ferais, c'est que je ne me servirais pas du truc par là et je sortirais à chaque fois par là. Hein, parce que je sens que sinon, ça ne va, va pas le faire. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, ben, ça, c'est pas pour du scrap. Hein. Ça, c'est pour changer ma vitre de Samsung. Donc, moi, j'ai un A51 puis un A52. Enfin, j'en ai deux. Un pour le pro, un pour le prix. Et là, c'est mon ancien, donc le A51, où là, j'ai fait tomber évidemment mon portable, et puis du coup, bah, je l'ai un peu pété, et puis bah, du coup, il bah, faut que je change la vitre. Donc ça, bah, je vous le montre quand même, parce que je n'avais jamais regardé jusqu'à présent, puisque je n'avais pas besoin. Et donc là, du coup, je l'ai pris, et ça coûte 1,79€. À mon avis, si j'étais allée dans mon petit magasin, là où je prends mes téléphones, à mon avis, ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc 1,79€ si vous avez besoin. Et puis, bah, je vais, bah, quand je l'aurai posé, bah, je vous dirai s'il est bien ou pas. Alors ensuite, on continue. Des petites choses comme ça. Donc, on retourne dans le scrap. Donc ça, ce sont des petits cœurs. Il me semble que j'en avais déjà pris. Je vous avais déjà présenté. Ce sont des petits cœurs sur un peu en plastique. Donc, c'est strié. Et là, ceux-là, ils sont orange. Donc voilà, donc là il y a des petites stries comme ça, hein, toutes verticales. Il y en a 30 pièces et on est sur. Ah, attendez, j'ai pas. Je ne sais pas. Autocollant, carnet, bloc-notes. Pop, pop, pop. Bah, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, ruban. Non, je ne sais pas. Alors, je vous donnerai le prix après parce que je ne sais plus où ils sont. En attendant, je vais vous donner donc le prix de ça si je les retrouve aussi. Alors d'habitude, je marque les prix dessus, ça va beaucoup plus vite quand je fais la vidéo. Et puis là, évidemment, j'ai pas fait. Pas bien, pas bien, pas bien. Bien, pas bien. Alors, 100 pièces. Des bambous. Bambou. Bambou. Et si je vous disais qu'avant la vidéo, j'étais pas forcément super forme. Et ben là, de faire une belle vidéo, non pas une belle, une bonne vidéo plein de pêche, ben ça fait du bien. Voilà. Alors, pastille adhésive, je l'ai dit. Ça, c'est fait. Alors, attendez, je vais remettre un petit truc devant ce que j'ai dit, parce que les petits démaquillants, je les ai dit. Ça, c'est, je ne l'ai pas dit. Brochette bon. Ah non, c'est ça qui faisait 49 centimes. Ah oui, 39 centimes, donc les petites pastilles adhérentes, enfin auto-adhésives, là, adhésives, et ça, c'est 39 centimes. Donc, ça, non, 49 centimes. Oh, je vais y arriver, oui, 49 centimes. Donc, ça, on en a besoin. Pourquoi? C'est, ah ben oui, mais mince, c'est pour l'assaut, je ne l'ai pas marqué pour l'assaut. Bon, c'est pas grave. Parce que, avec les filles de l'assaut, avec Sylvie, nous sommes à préférer un album... piano, en truc piano, en sur les côtés, vous savez, en ah, comment on dit, en piano, ah, je sais plus, en reliure, en reliure piano. Et donc, ça se fait avec des petits bâtonnets comme ça. C'est super.
super sympa. Bon, je ne peux pas vous montrer parce qu'on ne sait pas où elle a récupéré donc le. Enfin, je ne sais pas où elle a récupéré le tuto. Je ne sais pas de qui c'est. Est-ce que c'est une Française, une Américaine, une Japonaise, une Allemande, une. Je ne sais pas. Donc, je ne veux pas vous montrer quelque chose que. Bah, je ne connais pas la source, quoi. Donc, je ne sais pas. Donc voilà, donc bon, bon peut-être qu'un jour je vous montrerai si j'arrive à retrouver. Apparemment, il y en a plein hein, sur Internet, sur YouTube ou sur Pinterest. Hein. Vous tapez, j'ai dit quoi? Reliure piano et vous trouvez. Donc c'est super sympa. Alors perso, j'avais déjà fait ça avec une ancienne copine il y a quelques années. Mais sincèrement, je me rappelle pas où on avait pris le tuto. Donc voilà. Bon, néanmoins, il y en a chez Action à vraiment pas cher. Donc, si vous voulez faire des. Il y en a 100. Donc, si vous voulez faire des reliures piano, Action. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un notebook. J'adore les carnets. J'adore les carnets en. Voilà. Et puis là, bah, c'est des. Voilà, des petits trucs comme j'aime. Donc, avec des petits. Des petites choses comme j'aime. Et je l'ai trouvé pas mal. Bon, déjà, d'une part, pourquoi? Parce qu'il y a l'élastique. D'autre part, quand vous l'ouvrez, ch'tac, regardez, il est monté comme ça. Comme ça, au milieu. Et du coup, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait une aisance au niveau du carnet quand on le tourne. Ouais, je trouve que c'est bien. Regardez, on peut même. Bon, c'est pas top top de le mettre comme ça, mais bon, on peut même le faire. Mais sincèrement, et puis ben, il est décoré à l'intérieur. Hein. Ma chère. Non, super sympa. Donc, il y a combien? C'est du A5. Il y a 80. C'est du 80 mg, 80 grammes par mètre carré. Et il y a 124 feuilles. Et le prix, bloc-notes. Bloc-notes, il met 150 feuilles. C'est pas ça? 150 feuilles, non, j'ai dit 124. J'ai rien d'autre après. Bah non, j'ai pas d'autres blocs. Bah 89 centimes. Non, 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 non. J'ai des bêtises. Carnet de notes. Non, c'est que j'ai un autre truc. Carnet de notes spirale 124 feuilles, 1,99 €. Je m'agourais. Bah ça arrive, hein. Et m'engueulez pas, hein. Je m'agourais, hein. Alors, on a quoi en référence? On a une référence à ce chose. 13,00. 69, 73. 13. Non, c'est pas possible. Là, j'ai un 30, 06. Non, 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 non. Je m'ai encore gouré. Alors, 30. Pardon, pardon, il est là. Elle est là, la référence. 30, 06. 30, 06. 973. Va y arriver la fille, oui. Bon, en tous les cas, j'adore. J'adore ce petit carnet de notes, ce notebook. J'aime beaucoup. Voilà, mais bon, j'en ai plein, hein. Parce que je vais en faire encore, mais je l'adore. Alors, ensuite, des washi tape. Alors, je ne sais pas s'il y a un moment qu'ils sont là-bas, chez Action. Je ne sais pas, c'est la première fois que je les vois. Référence 30-08-007. Il y a, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est le même ça? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 masking tape. Ça doit être marqué peut-être en plus. Je compte pour rien, non? Non, 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 je compte pas pour rien, ce n'était pas marqué. Donc il y a 24 masking tape. Là, on est plus sur du quoi? Donc là, il y a des espèces de petits trucs là. Vous savez qu'on mange là, des milkshakes, je ne sais pas quoi. Là, il y a des petits maillots de bain, une pièce. Là, il y a marqué Tropic State machin. Ouais, j'aurais pu l'ouvrir aussi. Hein. Là, il y a un truc avec des. Ça fait un petit peu anniversaire avec des trucs d'anniversaire. Là, il y a des banderoles. Bah ouais, ça fait anniversaire aussi. Hein. Voilà, et en fait, bah, si je l'avais ouvert,
ça aurait peut-être été aussi bien. Et du coup, en boîte. Donc, alors, moi qui les ai tous sur mes tringles là-bas en bois, à rideau, je ne sais pas si ceux-là, je ne vais pas les laisser en boîte parce que. Mais il faut que je les trie. Et j'ai tellement de choses à faire dans cette scrap room. J'ai du tri, j'ai plein, plein, plein de choses à faire. Mais du coup, c'est bien de les avoir comme ça en boîte, je trouve. Je trouve que c'est sympa. Voilà, en thème, en. Ou alors je mettrai que mes pailletés dans des boîtes comme ça. Ou. Donc là, du coup, il y a deux boîtes. Donc celle-ci, donc que je viens de vous présenter. Et il y a celle-ci. Une autre couleur. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Une autre couleur. Je vais essayer de vous l'ouvrir aussi. Ça sera aussi bien. Où est-ce que c'est? Là. Je ne vois pas le petit chose. Ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Regardez, c'est mignon. Là, il y a des petits oiseaux. Là, il y a des fleurs. J'aime bien. J'aime beaucoup celui-là. Moi, j'aime beaucoup aussi les fleurs comme ça, là. Ce style-là. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, c'est un peu rose, mais bon. Non, mais bon, maintenant, j'arrive à bien scraper le rose, hein. Il y a quelques années en arrière, c'était moins évident. Mais bon, maintenant, donc là, c'est du plutôt rose, plutôt vert rose, plutôt violet et bleu. Et puis l'autre, on était plus sur des roses, des bleus, des dorés, du noir, un peu de blanc. Enfin, il y avait un peu de tout là. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas combien de boîtes il y a comme ça. Mais moi, en tous les cas, j'ai trouvé ces deux-là. Et on est à 3,49 € la boîte. Ça va quand même, hein. Hein, les prix sont raisonnables, hein, quand même, hein. Après, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Le protecteur d'écran, je l'ai dit. Ça, ce sont des petites perles en bois. Donc 9 mm. On est sur, je ne sais pas combien on a, 50 grammes à peu près. Donc je pense que c'est ça qui fait 50 grammes. Donc il y a bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de perles. Donc moi j'ai du blanc cassé, enfin du beige. Du vert un peu d'eau et du noir. Et après, je ne sais pas s'il n'y avait pas un ton dans les bleus ou violets, je ne sais plus, je ne me rappelle pas. Mais j'ai pris du coup que celui-là parce que c'était celui que je me suis dit, celui que je vais me servir le plus. Ou pas. Ben si, je pense. Voilà, donc je l'ai ouvert juste avant pour voir un peu comment étaient les perles. Alors, il y a juste un petit truc, c'est que des fois, regardez. Des fois, voilà, c'est un petit peu encombré là, le trou. Donc, en fait, vous prenez. Ouais, voilà, allez, on prend un cutter. Et puis, on passe comme ça. Hein. On y va avec son cutter. Hein. Aïe! Sans se couper. Sans se faire mal quand même. Voilà. Et puis, du coup, voilà. Hop, c'est mieux. Et on fait l'autre côté ensuite, hein, puisque l'autre côté est un petit peu encombré aussi. Ça va, j'abîme pas trop la peinture, ça va. C'est pas méchant. Non, non, j'abîme pas trop. Bon, après, voilà, faut pas qu'il y en ait trop à l'intérieur, mais l'intérieur a l'air pas trop trop mal, pas trop encombré. Donc voilà. Bon, voilà, donc il y a juste ça à faire sur certaines perles, hein, qui sont un petit peu moins bien finies que d'autres. Mais bon. C'est pas grave, hein, c'est pas grave en soi. Hein. On est sur combien j'ai dit? Non, je crois que je ne l'ai pas dit. En bois, 79 centimes. Pas mal quand même, 79 centimes, c'est ça le fait quand même. Hein. Voilà, voilà. La référence. Est-ce que c'est ça? Je ne sais jamais les références. Il y a plusieurs trucs là-dessus. 25, 75. Ouais, c'est ça. 25, 75, 316. Voilà, donc si vous voulez les références, j'arrive des fois à vous le dire. Alors ensuite, tac, 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 ça et ça et ça. Et il nous reste le dernier truc. Donc que Valentine, donc ça c'était pour Valentine, hein, donc ma fille. Donc des crayons de couleur. Pourquoi? Parce que elle fait beaucoup de mandala, beaucoup de coloriage. Et je ne voulais pas lui prêter. Elle assume le dire, ça. Hein. Ouais, tu peux pas me le prêter. Je veux pas lui prêter mes, comment, mes polychromos, chromos, chromos.
que je viens de commencer ma collection à l'unité. Donc là, c'est 1,99€ l'unité du polychromo. Et là, chez Action, c'est 3. Où est-ce que j'ai le ticket? Ah mince, où est-ce que j'ai mis le ticket de Val? Val, elle avait un ticket. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, je crois que c'est dans les 3,99€, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Enfin, moins de 4 euros. Donc, 3,99€ de souvenir. Et il y en a 36. Et puis, vous avez vu toutes les couleurs quand même. Ça le fait quand même, tout ça. D'accord? Donc, voilà. Donc, bah, comme je ne voulais pas lui prêter les miens, et une boîte tout en fait en fer. En bois. C'est sympa, ça. Pour les conserver et tout, c'est quand même pas mal. C'est bien. Puis là, on voit à peu près toutes les couleurs qu'on a. Non, c'est sympa, j'aime bien. Alors, du coup, bah, je vais vous les montrer, hein, puisque je vous ai dit que j'allais faire un petit test. Allez, on va faire un test de couleurs. J'ai fait, hop, ma poupette ici, tout à l'heure. J'en ai fait deux. Je vais essayer de coloriser les petites fleurs. Allez, on va mettre quoi? Du rose. Allez, on va mettre du rose, on va voir ce que ça donne. Ah, pas mal. Bon, j'aurais pu mettre deux couleurs. Ouais. Ouais, j'aurais pu mettre deux couleurs. Alors, le rose clair, ah, il est un petit peu plus dur. Ah ouais, on dirait que le rose clair est un peu plus dur. Le rose foncé est un peu plus facile à pour coloriser. Ouais. Alors, attendez. J'ai un petit bout de papier, là. Ouais. Ah ouais. Il est un peu plus dur, on dirait, la mine. La mine est un peu plus dure. Mais bon, sinon, regardez. La couleur est sympa. Ah oui, je vous avais pas montré aussi mon autre... tiens, ça. J'ai oublié un autre achat que j'ai fait. Ça. Make it happen, donc daily check list, donc c'est un to do, hein. Don't forget, ne pas oublier. Donc là, vous voyez, j'ai déjà mis quelque chose parce que je suis de crop au mois de mai, et donc j'ai pas envoyé mon truc et du coup, faut que je l'envoie, faut absolument que je le fasse dans les prochains jours. Et regardez, donc là, c'est pré-découpé. Là, c'est pré-découpé et on a 150 feuilles en 80 grammes par mètre carré. Et c'est ça, tout à l'heure, je vous disais le prix, je me trompais, 150, j'ai vu tout à l'heure. 150 feuilles. Alors, attendez. Bloc-notes, 89 centimes. Donc, sincèrement, moi, j'ai des listes partout. Donc, bah, du coup, c'est bien mieux d'en avoir comme ça qui... Je vais pouvoir voilà, en avoir une dans mon bureau et un autre que je vais peut-être acheter pour mettre dans ma pièce de vie là-bas, dans ma cuisine. Voilà, je trouvais super, super sympa ce petit carnet. Alors, il y avait un autre carnet en, je crois, noir. Vous avez vu, en plus, il est un peu dur. Hein, non, il est super bien fait. L'autre était noir, c'était moche. Mais celui-là, bon, mignon, sympa. Donc, j'avais oublié de vous le présenter. J'avais oublié de vous le présenter. Alors, rose, j'ai dit. Rose. Est-ce que celui-ci... Alors, est-ce que... Oh, ma fille arrive. Oh, j'ai piqué tes crayons, ma chérie. Oh, ma chérie, j'ai piqué tes crayons. Tu vas pas me fâcher, ma chérie. Si, j'allais venir te fâcher. Ah, purée, t'allais venir me fâcher. J'ai dit aux copines, hein, que je voulais pas te prêter les miens, mes polychromos. Donc, du coup, que tu t'étais acheté tes crayons à toi. Tu me les rends quand? Je te les rends là dans quelques minutes. Je termine. Oui, ma chérie, je termine ma petite colo. Vous voulez pas les prêter, normalement. Oui, oui, je sais que vous voulez. Vous les cacher. Oui, mais je les aurais trouvés dans ta chambre. Oh, si. Oh, si, elle est maline, maman. Sous le lit, je n'aurais pas trouvé. Ah, si, sous le lit, je serais allée sous le lit. Mytho. Bon, sympa, les petits crayons. Bon, la seule chose, il faut faire attention à ça. Donc, ce style de crayon, bon, évidemment, hein, vu le prix... On est sur... Là, vous voyez, la mine est cassée dedans. Il ne faut pas le dire parce que Valentine va me fâcher. J'y suis pour rien. La mine est cassée. Donc, ça veut dire quand on le taille, souvent, les mines sont cassées. L'avantage des polychromos, c'est que la mine à l'intérieur est collée dans le crayon. Et de ce fait, ça ne se casse jamais. Voilà. Mais on n'est pas sur le même prix. Donc, là, on a... Hop.
On a des petits... Par contre, les couleurs sont super sympas. J'aime beaucoup les couleurs. Regardez. C'est vraiment sympa. Bon, voilà, les crayons pour le prix, ils sont topissimes. Hein. Je trouve que... Non, non, ça le fait beaucoup. Ça le fait pas mal. Alors, j'ai envie de mettre un peu de violet. Allez, on va mettre un peu de violet, ici. Sur l'espèce de rose, là. Voilà. Bon, après, je suis pas la grande technicienne du coloriage. Bon, là, c'est vrai que j'aurais pu faire plusieurs couleurs à chaque fois. Mais je ne l'ai pas fait. Mais voilà, on peut rajouter un peu de rose par-dessus. Bon, ça va, hein, le mélange se fait pas mal. Hein. Regardez, pas mal quand même. Non, non, ils sont bien. Ils sont bien, ils sont bien. Alors là, il y a un petit jaune. J'aime beaucoup le jaune, moi. Ouais, le jaune est bien. Hein. Ah, là, j'avais oublié un truc rose, là. Ouais. Là, c'était la fleur rose. Voilà, non, le jaune est bien. Il est assez... il n'est pas trop dur. Il n'est pas trop dur. Ça, c'était le rose de tout à l'heure. Voilà. Je repasse sur le rose de tout à l'heure, qui est pas mal. Non, ils sont bien. Pas mal. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que j'essaie? Un marron. Ah non, le vert kaki, là. L'espèce de vert kaki. J'aime bien le vert kaki, moi. Ah non, on dirait un marron. Hein, pourtant, non, pourtant, ça fait kaki. Ah, attendez, je vais mettre du vert avec. On va voir ce que ça va faire. Ah, le vert en dessous, peut-être, parce que le vert dessus, ça ne le fait pas. Ouais, un petit peu. Un peu de vert et de marron, c'est sympa les deux, mélangés. J'aime bien. Ça fait un peu marron. On dirait du kaki sur le crayon, là. Mais en fait, ça ne fait pas trop kaki. J'aime bien. Non, ils sont sympas. Les couleurs sont sympas en tous les cas. Voilà. Et pour la peau, on a un petit rose pâle là. Voyons voir. Alors, je vais rajouter. Ah, la mine se désagrège un petit peu. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va rajouter des petits trous. Des petits trous, des petites joues rouges. Sympatoche. Non. Petites lèvres rouges. C'est mieux que les lèvres bleues, hein, parce que bleu, elle ne serait pas bien. Hein. Voilà. Et puis, un petit peu de bleu sur ses yeux. Un petit peu beaucoup, quand même. Hein. Non, c'est pas grave. Il faut qu'elle soit belle. Elle est belle, non? Regardez comment elle est belle. Elle est belle quand même, hein? Non, sympa. Bon, bah du coup, juste pour vous dire que bah, par rapport au prix, je trouve que c'est super sympa. Bon, après, j'ai pas... ils doivent être tout mis dans l'ordre des numéros. Il va peut-être falloir que... Bon, bah je vais le remettre après, parce que sinon... Elle va me fâcher, la Valentine. Mais bon. Donc, non. Non, non, sympa. Bon, ben voilà. Donc, du coup, je suis pas mécontente dans mes petits achats. Je trouve que c'est sympatoche. Des beaux petits achats. Puis, des petits crayons qui sont, ma foi, pas trop mal. Hein, pour le prix. On est sur un truc... Elle est mignon, hein. Non, elle est belle. Hein, j'adore cette poupette. Hein. Vraiment cette collection là de Marlène, là, les derniers tampons là, avec cette petite fille, est vraiment super sympa, j'adore. Je pense que je vais la mettre souvent dans mes créas. Bon, en tous les cas, je vous fais, bah voilà, je vous adore, hein, évidemment, vous le savez. Je vous fais des gros bisous. Je fais donc ce haul et puis je sais pas, peut-être qu'il y aura une autre vidéo, j'ai des tirages au sort à faire, donc ne me fâchez pas, hein, je n'accepterai pas que vous me fâchiez, hein, parce que j'ai vu que dans d'autres copines de YouTube, sont pas très contentes en ce moment, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas très positives, donc je sais pas, bah, pas de quoi ça vient, pourquoi il y a autant de personnes qui sont négatives comme ça, qui mettent des commentaires pas toujours sympathiques, pas
qui leur dit alors, t'en es où? T'as pas fait ton tirage? Bon, bah moi, sachez que chez moi, les tirages, je suis en retard. Je suis en retard, je fais comme je peux, quand je peux. Et voilà. Et donc, celles qui, ou ceux qui ne seraient pas satisfaits, eh bien, vous passez votre chemin et vous allez voir ailleurs. Mais partez pas tous quand même, hein? Vous partez pas toutes. Non, c'est juste pour vous dire que c'est dommage qu'il y ait beaucoup de négatifs. Mais il pleut dehors, non, mais si vous. Un déluge. Non, enfin, pas le déluge, mais pas beau, quoi. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a tant de négativité, pourquoi les gens sont aussi négatifs. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez me respecter, hein, sur ma chaîne, parce que oui, c'est ma chaîne. Comme disent les autres copines, c'est leur chaîne, ouais, elles font comme elles peuvent, avec les moyens qu'elles ont et le temps qu'elles ont. C'est surtout le temps, hein, qui nous est compté, tous et toutes. On a le temps défile très très vite et on a le temps de. Enfin, on a le temps. On n'a pas le temps de tout faire, quoi. Donc, ouais, on peut être en retard, mais sachez que si on est là avec vous et qu'on partage ces bons moments, parce que pour moi, c'est des bons moments, sachez qu'on le fait avec le cœur et comme ça, hein, notre cœur. Voilà. Et que on n'a pas forcément envie de se prendre des réflexions ou des mots pas gentils ou voilà, donc respectez-nous, hein, on vous respecte, respectez-nous, d'accord les copains et les copines? Bon, mais je sais que vous le faites, j'ai rarement, si une fois j'ai eu un message un peu pas sympa, mais bon, j'ai répondu, voilà, j'ai répondu. Voilà, j'ai comme si, avec mon cœur, j'ai répondu avec mon cœur. En général, je réponds avec mon cœur et j'essaie de vous répondre. Quelquefois, je réponds pas, je mets juste un cœur parce que j'ai pas eu le temps, voilà. Mais en général, j'essaie de répondre à vos commentaires, voilà. Donc, hein, on vous aime. Sachez que nous, les petits youtubeurs ou les gros youtubeurs ou les grosses youtubeuses, peu importe, à n'importe quel niveau. On est là pour partager avec vous, pour passer des bons moments, pour échanger, voilà quoi, pour échanger, pour pas être seul, pour voilà. Donc, hein, faites comme nous, partagez, soyez sympa. Mais bon, vous êtes sympa dans le 99,99% de mes abonnés de toute façon sont sympas. J'ai pas de méchants commentaires, il n'y a pas de souci. Et bien au contraire, ça me touche toujours beaucoup. Et des fois, alors c'est vrai que des fois je m'étale pas parce que je pleurerais sinon toute seule et j'ai pas envie de pleurer. Non, mais vous me touchez souvent. Ouais, c'est super sympa. En tous les cas, je vous adore. Allez, je vous dis à ciao les copains, à ciao les copines. C'est vrai que je voulais le dire, j'avais un peu oublié. Puis moi, c'est voilà, quand ça revient, pof, et ben je le dis et puis voilà. Hein. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai aussi des remerciements, j'ai reçu trois courriers. Donc je vais vous faire aussi une petite vidéo bal remerciements aussi. Hein. Ouais, je vous montre ça très 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 vite. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, à bye bye.